pas mort. C'est entre tout, eux trois là. Ça c'est lui. Ça c'est regarde. C'est Ahmed, c'est Ahmed. C'est l'artiste. Hein? Où ça? En fait, Vince, quand tu fais, il y a les. Je ça me parle là. Non, j'ai pas touché. Non, j'ai pas touché. Vas-y, lâche un petit mot. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 500 horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in, chalk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, I'd stay on the go. I can to play with the pros and act like a rookie, so they overlook me, then I double up again, none of them know. Donc je m'appelle Vince, aujourd'hui j'ai 40 ans, je suis né en 1980. J'ai grandi dans le sud de Seine-et-Marne, à Vers-Saint-Denis. Pendant une dizaine d'années, j'ai eu la chance d'intervenir sur Melun, différentes antennes de quartier du service jeunesse, donc sur le quartier Schumann, sur Montaigu, sur l'Almont et sur les Mesereaux. Et quelque part, c'est une expérience qui m'a profondément marqué, qui m'a beaucoup appris. Et moi, j'ai commencé en fait au début des années 2000 par le graffiti. Et puis peu à peu, on a créé une association et on s'est mis un petit peu dans une optique de transmission. Donc j'ai commencé à bosser à Melun en 2005. Et donc à raison d'une fois par semaine, je passais sur ces quatre quartiers et on réalisait des choses avec les enfants, principalement les collégiens, les 11-14 ans. Et puis bah, ça m'a beaucoup appris, c'était beaucoup de rencontres humaines, que ce soit aussi bien avec les animateurs qui étaient des partenaires, et aussi avec la jeunesse que quelque part j'ai vu grandir. Et donc là, ça fait depuis 2015 que j'interviens plus de manière hebdomadaire, mais on va dire seulement sur des projets ponctuels. Et donc voilà, quoi, je suis vraiment très fier de cette expérience et c'est quelque chose que je porte véritablement en moi. Quoi. Le geste reste assuré. Cet immeuble servant de support à 80 graffeurs, locaux mais aussi étrangers, est destiné à être démoli à la fin de l'été. D'origine, le transformateur, c'est un transformateur qui était très vieillissant d'ailleurs. Presque proche de la démolition parce que c'est un bâtiment qui n'était pas très esthétique. Sachant qu'il y a 25 ans déjà, il avait déjà été réhabilité. Il fallait faire quelque chose parce que vous pouvez regarder tout autour de vous, vous avez un quartier complètement rénové. Donc ce quartier-là, il fallait absolument faire quelque chose et introduire ce transformateur dans l'esprit du quartier. Et donc on l'a fait à mémoire sur les quartiers. On a fait une exposition à l'espace Saint-Jean, déjà. On a fait un bouquin, on a accueilli les nouveaux habitants des quartiers. Et puis là, on est sur la fraise avec Vince. Nous, ça nous fait mal au cœur qu'on voyait les bâtiments qui ont été détruits, les gens qui y habitaient. On avait nos copines parce que on était à l'école et au collège à côté. Donc, on avait les gens d'ici et on venait. Et on connaissait des gens qui habitaient ici, qui sont partis. Même des gens qui y habitaient dès le début, ils ont dû déménager. Et la dame n'a pas supporté, elle est décédée. Et son mari est parti en EHPAD et on l'a appris après que quelques temps après, lui était décédé aussi. Ce couple n'avait pas d'enfants, donc neveux et nièces, ils avaient en fait des neveux et des nièces. Mais le plus important pour eux, c'est qu'ils étaient ensemble. Et ces gens-là, le jour où ils ont déménagé, ils ont quitté Gastantin, qu'on les a mis à Ribon, sa femme, quelques temps après, décède, meurt de tristesse en fait, arrêt cardiaque. Et c'était les premiers arrivés dans le quartier. Donc cette main qui a été, c'est une photo du projet Mémoire, c'est aussi ça, quitter un quartier, quitter son histoire, quitter, voilà. Et c'est aussi pour ça que nous, le projet Mémoire, ça a un impact très important, parce que c'est un partage. C'est partager un petit peu ce que les gens ont vécu dans ce quartier, et comment les nouvelles personnes vont vivre en fait dans ce quartier. Alors, la réhabilitation du transformateur a été faite par l'association Fidamuris, qui, eux, comme c'était une association d'insertion, il était intéressant aussi de faire participer les jeunes
pour qu'il puisse faire un stage professionnel avec un technicien qui lui a pris en charge un petit groupe de jeunes et a pu repeindre et faire des petits travaux de maçonnerie, parce qu'il n'y avait pas que de la peinture, il y avait des travaux de maçonnerie, reboucher le trou, remettre à niveau pour faire l'apprêtage avant de faire la presse. Et donc voilà, ces deux peintures-là sont réalisées un petit peu, moi c'est toujours mon style, c'est un style qui est assez réaliste, mais en même temps, comment dire, assez brut de pomme. J'aime beaucoup garder les premiers traits de la bombe, qu'on voit les traits de ma bombe, j'essaie pas de les gommer, j'essaie pas de faire des dégradés très lisses, je veux qu'on la sente. C'est quelque chose qui me vient moi un peu de l'urgence dans laquelle on peignait nos premiers graffitis, des fois la nuit, tout ça, au début des années 2000. Et j'ai toujours essayé de garder ce côté très spontané dans le style et puis d'avoir des peintures qui racontent des histoires. Et il y a cette peinture de Gaston Tinck là, devant laquelle on se trouve actuellement. Et cette peinture de Gaston Tinck, elle est très intéressante aussi parce qu'elle fait suite à une petite histoire de 10 ans. C'est-à-dire que bon, moi j'ai beaucoup travaillé sur le quartier Schumann avant, juste à côté, et on touchait les enfants de ce quartier de Gaston Tinck qui venaient au service jeunesse de Schumann. Il y avait donc deux grandes barres d'immeubles, une grande tour, et tout ça, ça a été détruit, si je ne dis pas de bêtises, en 2014. Et à l'époque, dans le cadre d'un partenariat avec Actar, on a obtenu l'autorisation enfin de peindre entièrement le quartier avant sa démolition. Donc c'était une des premières fois que ça se faisait, en tout cas dans le sud-est francilien. Et donc on avait les nacelles, la tour elle était magnifique, ça se voyait du rond-point de l'Europe. Et on a essayé, en tout cas c'était le thème moi, que j'avais donné aux artistes, de travailler un petit peu sur l'histoire du quartier et des quartiers populaires, on va dire de manière plus générale. Après libre à chaque artiste d'interpréter un petit peu à sa manière. Puis il y a eu aujourd'hui la reconstruction du quartier qui s'appelle les Jardins de l'Europe. On a été voir tous les gens qu'on connaissait à Melun pour essayer de récupérer des photos d'archives. On a été aux archives départementales, on a été aux archives de la République de Seine-et-Marne, on a été aux archives municipales. Et sur la face arrière, on a une photo qui me tient beaucoup à cœur. C'est donc deux jeunes, dont un tient une raquette de ping-pong dans la main. Donc on peut imaginer qu'ils sont dans la maison de quartier ou dans le centre social en train d'avoir une discussion animée, peut-être, je ne sais pas, c'est par rapport au score ou j'en sais rien. Donc on a repris des photos. Et ce qui me touche beaucoup, moi, sur cette photo, c'est les vêtements. Voilà, je suis très sensible au look quand on récolte des photos d'archives. Et là, on voit le survêt et la casquette Lacoste, qui était vraiment l'uniforme de la jeunesse à la fin des années 90, début 2000. Et donc voilà, c'est pour ça que je trouvais vraiment intéressante cette photo. Aujourd'hui, on est plus sur Louis Vuitton, Gucci, enfin, on est passé à d'autres marques, même si Lacoste revient un petit peu. Et donc cette photo, je pense qu'elle rappellera des souvenirs à de nombreux quadragénaires et même quinquagénaires d'aujourd'hui, quoi. Il y a une personne qui habitait sur Gabriel Houdard et l'autre personne sur Gaston Tinck. Donc l'idée, c'est de dire que sur ce terrain de proximité que vous pouvez voir aujourd'hui, ce terrain de proximité qui, j'espère, sera un jour aménagé en city-stade, on croise les droits, mais il faut trouver l'argent. Donc l'idée, c'est d'aménager cet endroit en city-stade. Et la fresque correspond à une activité sportive qui était donc le tennis de table. Donc l'idée nous a un petit peu intéressés en se disant, bon, cette fresque-là va très bien avec le projet qu'on aimerait mener. Voilà, la cabine téléphonique, aujourd'hui, nos enfants qui grandissent, ils ne connaissent pas forcément. Peut-être qu'il en reste une ou deux qui traînent, mais c'est un petit peu comme des pièces de musée. Depuis l'apparition des téléphones portables, ça n'a plus aucune utilité. Et donc il y en avait une ici, et voilà, on trouvait ça marquant, ça inscrivait un petit peu... la petite histoire dans la grande, avec l'histoire des télécommunications. Et puis on peut imaginer dans cette cabine toutes les petites conversations amoureuses qui ont pu avoir lieu, peut-être les disputes, les appels au bled, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est aussi un endroit de socialisation quelque part, la cabine téléphonique. Alors elle n'était pas tout à fait ici, mais un petit peu plus loin, cette cabine téléphonique, on voyait régulièrement les gens du quartier faire la queue pour téléphoner, parce que tout le monde n'avait pas le téléphone à la maison. Et il téléphonait beaucoup dans cette cabine téléphonique. Cette dame-là habitait la tour Gaston Tinck. À droite, il y a le visage d'une mamie qui a habité très longtemps ce quartier-là. Pareil, c'était une photo qui avait été récoltée durant le travail d'archives. Sur la face avant, on a une très jolie photo d'un match de rugby qui se déroulait donc en fait sur le stade de rugby du quartier Schumann qui est juste en face.
Cette photo, elle était intéressante parce qu'elle montrait justement aussi un petit peu, quelque part, elle est prise depuis un autre quartier. Et on voit en fait en arrière-plan les deux barres d'immeubles et la tour, donc de Gaston Tinck. Et puis c'est une petite photo d'archive, je crois, qui date de 1987 ou quelque chose comme ça. Et donc la pratique du rugby, des sports collectifs et tout ça, ça faisait aussi un petit peu quelque chose, de différent. Et du coup le titre, quand on présente cette transformation qui est aujourd'hui le quartier des Jardins de l'Europe, mais avant on l'appelait Gaston Tinck, donc le titre c'était Gaston Tinck. Pareil, demain de personnes âgées du troisième âge, un couple qui je crois a fêté ses noces d'or ou de diamant, et la photo est très jolie quoi, et ça donne vraiment une jolie peinture, les doigts qui s'entremêlent, on sent qu'ils sont un petit peu, qu'ils ont vécu, on voit l'alliance aussi également. Moi je suis arrivée à Schumann, j'avais 10 ans, quand j'ai connu mon mari, donc on a fait une demande d'appartement, on l'a eu à Schumann. Après, bon, on a eu un deuxième enfant, on l'a voulu déménager, on nous a redonné à Schumann, et ça fait 42 ans. Ça va faire 42 ans au mois de juillet, le 14 juillet 77. Et on est bien, nous, ici. Pour conclure, ce que je pourrais dire, c'est de dire bah, vive l'avenir, hein, vive la continuité, et donc bienvenue aux nouveaux habitants.